Salut à tous, c'est Lou, l'expert de la Princess Peach. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide dans Princess Peach Showtime. On va découvrir comment battre Projo Miaou, le boss du deuxième étage du théâtre. Comme tous les boss du jeu, le combat est long mais pas trop difficile. La première chose à comprendre, c'est comment frapper le boss, et ce n'est pas si simple. Pour cela, il faut transformer la souris en bombe à l'aide des pouvoirs de Stella. Maintenant, il faut pouvoir la lancer sur la tête de Projo Miaou. Pour cela, attendez qu'il frappe le sol à l'aide de ses deux pattes. Pour être sûr que la bombe lui arrive en pleine tête, posez la bombe au centre de la pièce en la frappant avec le ruban. Aidez-vous du tapis en plein milieu pour vérifier qu'elle est bien placée. Quand le boss va taper le sol, la bombe va lui exploser la tête. Il faut réussir à le faire 3 fois, mais évidemment, Projo Miaou va vous embêter. Lorsqu'il place sa patte sur le côté, il va tenter de vous griffer. Sautez au-dessus de sa patte ou placez-vous de l'autre côté. Au passage, il va faire bouger la bombe. Dépêchez-vous de la remettre au milieu. Il peut aussi vous pousser avec sa queue ou même tenter de vous écraser lorsqu'il met sa patte au-dessus de la scène. Déplacez-vous au dernier moment pour éviter l'écrabouillement, mais surtout évitez de le faire à côté de la bombe ou sinon Projo Miaou va la détruire. Quand Projo Miaou prépare sa grosse attaque au sol, l'écran change d'aspect. Préparez-vous à sauter et si vous le faites un peu trop tôt, n'oubliez pas que vous pouvez rester en l'air un peu plus longtemps en lançant une attaque de ruban. 3 fois boum et on n'en parle plus. Et voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. N'hésitez pas à consulter ma soluce complète de Princess Peach Showtime pour finir le jeu à 100%. Le lien se trouve sur l'écran de fin. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. A très bientôt avec de nouvelles astuces.